Bonjour à tous. Alors le thème ici sera la récurrence. Donc le principe de récurrence est vraiment quelque chose de central en mathématiques, qu'on retrouve absolument partout, donc que ce soit l'arithmétique, l'algèbre, la combinatoire, ou même dans des maths beaucoup plus avancées. C'est vraiment très très utile. Et donc là c'est un petit exercice qui utilise ceci, et donc voici l'énoncé. Vous avez un ensemble de villes, donc disons n, et entre chaque paire de villes, vous avez un chemin. Et chaque chemin a une couleur, soit rouge, soit bleu. Ce qu'on vous demande de montrer, c'est qu'il est possible de choisir une couleur, donc soit rouge, soit bleu, telle que chaque ville peut être connectée à une autre, donc avec un chemin, vous pouvez sauter plusieurs fois, mais en utilisant qu'une seule couleur, donc, soit que rouge, soit que bleu. Donc, par exemple, ici, rouge, ça fonctionne, bien que pour aller de cette ville-ci à cette ville-ci, vous avez bien un chemin entièrement rouge. Voilà, c'est l'exercice, je vous laisse mettre sur pause. Et le résultat. Félicitations si vous réussissez l'exercice. Et dans tous les cas, voici la correction en utilisant bien sûr le principe de récurrence. Donc, principe de récurrence, on va supposer qu'on est capable de résoudre l'exercice. Pour un ensemble de villes avec n villes. Et on ajoute une nouvelle ville et on essaye de montrer que la propriété reste vraie avec cette nouvelle ville. Alors ici, on peut considérer deux cas. Le premier cas, c'est si tous les chemins partant de cette nouvelle ville sont de la même couleur. Donc ici, par exemple, bleu. Alors la solution est facile. On choisit la couleur bleue et quelle que soit la paire de villes à connecter, vous choisissez le chemin bleu qui passe par la nouvelle ville et ça vous donne une solution. Deuxième cas, donc si on n'est pas dans ce cas-ci, ça veut dire qu'il existe deux chemins, un chemin bleu et un chemin rouge. Donc les autres, en fait, on ne s'en préoccupe pas, ce ne sera pas nécessaire. Et là, on utilise l'hypothèse de récurrence. L'hypothèse de récurrence dit que sur notre ensemble de villes plus petit, on sait qu'il existe une couleur, donc soit rouge, soit bleu, qui connecte toutes les villes entre elles. Donc par exemple, si c'est rouge, donc comme la dernière fois, on trace tous les chemins rouges, et entre chaque paire de villes, il existe un chemin rouge connecté. Et ici, donc on va choisir rouge et ça va fonctionner. Donc pourquoi? Donc je vais dire que si on prend deux villes déjà anciennes, eh ben, il n'y a rien à faire, c'est déjà l'hypothèse de récurrence. Et si on prend une ancienne ville et la nouvelle, eh bien en partant de la nouvelle, il suffit d'aller à une autre ville, ça existe. Parce qu'il existe au moins un chemin rouge, puis après de réutiliser un autre chemin, et c'est toujours possible.